Hey, bonjour à toutes et à tous, ici Tatsu et bienvenue chers amis dans votre second épisode de Zoo Simulator. Aujourd'hui, on continue l'aventure déjà, ça c'est bien, on vient faire un petit coucou. C'est dommage qu'on puisse pas les... sommeil. Dommage qu'on puisse pas les caresser. Ah oui, c'est vrai, Fred, alors ça c'est marrant ça. C'est vrai que putain, je les ai vraiment nommés par rapport à mes youtubeurs, à mes streamers préférés. Attends, on va remplir un petit peu ça. Donc voilà, on continue l'aventure. J'espère qu'on pourra faire d'autres enclos avec d'autres animaux. Et ouais, il va falloir acheter de la bouffe et des trucs. Tiens, regarde, fais faire, hop là. Parce que mine de rien, ils sont quand même trois là-dedans. Il me faudrait un distributeur. J'espère que je pourrai avoir ça assez rapidement. On se retrouve là où on s'est quitté, c'est-à-dire dans l'enclos des rhinocéros. J'allais dire rhinocéros. Mais non, ce ne sont pas des Pokémon. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Choisir un site de construction et acheter le stand à hot dog. J'avais oublié, j'ai peu de pognon. Il y a un peu de pognon. Voilà, pognon, y a plus. Pour une bonne et simple raison que j'ai acheté plein de choses. Alors c'est bien, on a de quoi nourrir les animaux, oui, ça c'est cool. Le petit souci, c'est que malheureusement on est un petit peu bloqué. Donc ça c'est, il faut passer voir un petit peu tout le monde. Là, ils ont déjà plus d'eau. Oh les pauvres. J'ai Xavedan. Oh là là. C'est pas bien. C'est pas bien parce qu'on s'en est pas occupé depuis qu'on les a mis dedans. Voilà. Ça c'est bien. Et là. Parce que vous pouvez manger surtout des légumes, des fruits, des trucs comme ça. Tenez, je mets des fruits. Et puis je mets des visseuses. Je mets des légumes. Apparemment tu peux mélanger, donc voilà. Bon, c'est pas mal ça. Putain, c'est très coloré le petit machin. Et voilà, c'est un jeu qui me détend. C'est un jeu qui est très très détente. J'avais hâte de recommencer. Tiens, bah, toi. Et la fin. C'est une autruche. Donc du coup, ce serait bien de rien avoir dans les mains. Ouais, non, ça c'est juste pour le modifier. J'espère que ça les occupe. Je suis vraiment pas sûr. Je sais que elles, il faut pas les arroser. Enfin, faut pas les arroser. Disons que... Ils sont pas fans, voilà, tu vois, j'ai arrosé Danfield et il aime pas ça. Bon, et le pognon, c'est où? Ce serait bien que les portes soient automatiques. J'ai vraiment peur qu'elles se barrent. Les éléphants. On a deux beaux éléphants. Qu'on a nommé Antoine. Tiens, je sais que j'aurais pu faire Antoine et Daniel. Mais. Mais tiens, il y a une porte là aussi. Oui, non, mais ça, c'est pour aller à l'extérieur, d'accord. Et par contre, le liasing est pas terrible. Donc voilà, Antoine et Zérateur. Excusez-moi, non. Est-ce que tu as la volonté de sortir? Ils aiment bien Tizarreux. Ok, donc apparemment, ils ont un peu à bouffer. Ouais, c'est pas génial non plus, hein. Écoutez, tenez, ça sera légumes pour vous. Voilà, légumes et la flotte, est-ce que ça va? Ils ont besoin de beaucoup d'eau, les éléphants. Hein. En général, les points d'eau, toujours très prisés. Et sinon, normalement, ils ont un point d'eau ici aussi. J'espère que ça leur plaît. Voilà, bon, ça c'est fait maintenant, il me faut un truc hot dog. Est-ce que je peux vendre quelque chose, une décoration, histoire de gagner du pognon? Non, je pense pas, hein. Par contre, imagine, tu vas dans un autre enclos. Parce que là, on a déjà trois enclos. Et il nous en manque, par exemple. Oh, mais il est gigantesque, celui-là. Mais il est gigantesque. Comment j'y rentre? Madame, bonjour! Comment j'y rentre? OMG, voilà. Ça, c'est pour la boîte à dons. Mais il faut encore du pognon. Ah oui, d'accord, en fait, il y a plein d'enclos. C'est un couloir avec plein d'enclos. Comment ça, je peux pas? Tu as besoin de quelques barres. Bon, pourquoi ça? Ah oui, d'accord, attends, bouge pas. F5.
Fermez les yeux. Ouh, ça picote, hein. Non, je déconne. Voilà, je peux me baisser comme ça. Je fais genre, je travaille pour de vrai. Ok. Donc voilà, on va. Il n'y avait pas grand chose. Enfin, si, il y avait quand même quelques sorties ce mois-ci, mais c'était pas incroyable. C'était vraiment un mois qui était trop pauvre, hein, vraiment pauvre en jeux vidéo. Et c'était assez compliqué, je vous le cache pas. Surtout que bah, j'ai eu un peu des corvées à faire à droite, à gauche. Notamment pour ce qui me reste de famille. Enfin, bon, bref. Donc du coup, si je le vends, ça me... Oh, du poisson. Oh. Mais... Qu'est-ce qui mange du poisson? Et qu'on peut... Et qui a besoin d'un très grand enclos. Très très grand enclos. Est-ce que c'est un indice? Ou est-ce que je devrais le dégager? Seulement du poisson. Il n'y a que ça. Ah oui, est-ce qu'il faut le laver le... Qu'est-ce qu'il y a encore à réparer? Non, parce que je m'occupe en attendant d'avoir du pognon. Alors si je fais ça, tu vois, regarde, il est 11h. Et si je fais genre ça, on a 3000 balles. Bon bah voilà, j'ai suffisamment entendu. Je crois que j'avais besoin de 2000 pour le stand-out dog. Non mais parce que ça c'est quoi? C'est des ours? C'est... Oui, mais je peux pas en avoir des dizaines, hein, c'est quoi cette histoire? Attends, ça on peut fermer. C'est bien d'avoir le réflexe de fermer. Je crois que... Parce que ça fait longtemps que je suis le jeu, qu'il peut y avoir des animaux qui s'échappent. Voilà, tout simplement. Et, ah oui, c'est vrai, je peux normalement prendre la carte. Ne me dites pas que vous avez déjà faim. Ah, bon, on va aller les nourrir après. Je peux juste prendre la carte et aller... Ça, c'est l'ouverture, mais je me souviens déjà plus. La map. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Bon, je vais me faire... Ah oui, c'est vrai. J'oubliais. J'oubliais complètement. C'est la tablette. Et la map est... La carte. Je peux vérifier la carte globale du zoo. Bah alors? Bah, elle était pas grisée avant. Bon, normalement, ça, c'est l'entrée. Avec les toilettes. Les toilettes. Ça, c'est l'entrée qui... Voilà, donc les gens peuvent entrer, moi je peux pas sortir. Parce qu'à l'extérieur, de toute façon, il n'y a rien. Ok, les toilettes. Je peux aller voir la propreté des toilettes? Non, pas du tout. Hein. Et donc, ici. Et voilà, ça y est, ça marche maintenant. Ça marche. J'imagine qu'il faut embaucher un vendeur de hot dog. Eh bah oui. Stand, appuyez sur F pour vendre. Un vendeur de hot dog. Il faudrait qu'on achète autre chose, non? Là, il y a un café boutique souvenir. Oh, c'est pas mal, ça. Petite restauration. Ouais, c'est vrai qu'il pourrait se poser, quoi. Enfin, en même temps, un café. 3000 balles. Oh, j'ai pas 3000 balles, je crois. Hein. Je crois que pour l'instant, j'ai pas vraiment 3000 balles. Rentrons! Mais normalement ça devait marcher cette histoire de... Ah bah ça y est, ok, donc ça c'est les enclos. Donc il faut que j'aille, attends, là, pour aller nourrir les gros, les très très gros. Bon. Bah qu'est-ce qui se passe? Vous avez faim déjà? Alors normalement j'ai vu qu'il y avait des distributeurs. C'est-à-dire que tu remplis le distributeur et puis il te donne la nourriture aux bestiaux quand c'est vide. Voilà. Un de vrai distributeur, comme les hamsters, là, tu sais. Voilà, ça c'est fait. La quille. Bon. Vous jouez pas beaucoup avec vos jouets, hein. Vous êtes content au moins? Un Freddy! Il est où l'autre? Bah je sais plus. Ouais, à chaque fois que t'appuies sur... Bref, on avait dit un vendeur. Un vendeur. Qu'est-ce qui se passe, madame? Vous avez des demandes, des doléances? Putain, elle marche tellement vite. Et je t'ai pas demandé ton 06, calme-toi! Monsieur, vous avez des demandes? Il a l'air vénère en plus.
Ils ont les épaules remontées, marchez vite. Tu es un jour de merde. Attends, mais calmez-vous, enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est des gens, quoi. Bon, faut aller voir les avis directement au PC. Allons-y. Donc, les avis, c'est sur plusieurs. Cachette de la jungle. Il y a deux éléphants dedans. Enfin, il y a des éléphants. Pourquoi les éléphants, ça va pas? Propreté, popularité. Maintenant, ce zoo vaut vraiment la peine. Bah, d'accord, la décoration, cachette de la jungle sont horribles. Oui, mais ça, c'était avant, quand je l'avais ouvert, le truc. Popularité. Mais. Ok, alors, du coup, que voulais-tu que je fasse? Allumer l'ordinateur, la tablette ou le catégorie employé. Embauche un vendeur de hot dog. D'accord. Ok, employé, jardinier, vendeur. Ils vendent de tout. Ventre hot dog et puis revenu supplémentaire. Bon bah écoute. Allons-y, 1000 balles. Oh putain, 1000 balles, ça demande un budget, hein. Ça demande un budget. Achète un distributeur automatique de nourriture dans la boutique. Prendre le distributeur dans l'entrepôt. Ça, c'est cool, ça. Écoute, alors, un distributeur automatique de nourriture. Outils. C'est vrai qu'il m'en faudrait deux. Mais ça coûte 1000 balles. Est-ce que j'ai 1200? Bon, bah, ça part assez vite. Mais je vais aller le placer chez les rhinos. Parce qu'ils sont 3. Peut-être même 4, du coup. Peut-être même 4 bientôt. Je sais pas. Bon, de toute façon, j'aime tous les animaux. Mais je... Voilà. Hein? Comme... Non, parce que sur le principe. Bon, bref. Alors ça, c'est le distributeur automatique. Du coup. Ok. Bon, bah voilà. Ça, c'est là. Et alors. Ok, bon, moi, ça permet de... Voilà, ça permet de, quoi, hein. T'as rien à dire. Non, bah non, c'est un distributeur automatique. Ça va, c'est bon. Ok, super, ça, c'est fait. Combien de bouffe il me reste? 2. Oh, ouais, ça permet... Ah, maintenant, plus d'excuses, hein. Là, de la bouffe, vous en avez, hein. Ça, c'est Seb. J'adore Seb. Il a maintenant une... Ah, putain, c'est vrai. Maintenant, il a une... Une chaîne Twitch depuis un petit moment d'ailleurs, et franchement, ça me régale. Il fait d'ailleurs des jeudis où il regarde des nanars absolus. Putain, celui-là, il regarde des nanars absolus, et je suis rarement là, en fait. Enfin, je suis rarement... C'est dommage, mais j'aime beaucoup Seb, il est vraiment génial. Ok, donc du coup, qu'est-ce qu'on achète? Une clé à molette. Achète un robinet, prends la clé à molette de l'entrepôt, prends le... Robinet de l'entrepôt. Installe le nouveau robinet à l'aide de la clé à molette. Oui, bon, bah d'accord, un petit robinet. Mais ça coûte plus ou moins que 200 balles. Alors, clé à molette, 50 balles. Bon, bah, ça va, ça. Ça coûte pas très très cher, le robinet. Oui, on a gagné un petit peu de pognon, mais ça part très vite, quand même. La clé à molette. Alors, le robinet, la clé à molette. Vraiment, décidément, tout est là. Tout est dans l'entrepôt. Ok. Et du coup, tu veux que j'installe le robinet? Installe le nouveau robinet. Où ça? Tu veux que j'installe où le robinet? Ah, dans l'entrepôt. Dans ce chez les... Oui, dans cet enclos-là. Donc tu veux que je fasse cet enclos-là. Il y a des enclos un peu partout. Voilà, c'est un vieux zoo. Qu'on a récupéré. Et pousse-toi. Bon, ce serait bien que le tuto, en fait, il me laisse un peu tranquille. Vraiment, moi, ce que j'aurais aimé, c'est tout faire tout seul. Maintenant, c'est bon, j'ai compris comment ça marche. Par exemple, ça, regarde, hop là, Et puis on peut améliorer aussi les outils. Je pense qu'il faudra améliorer le karcher pour laver mieux. Voilà, pour laver plus mieux.
Allez-y, roule ma poule. On fixe cette planche pourrie, quoi. Oh, bah, bravo. J'aime bien parce qu'il me le dévisse, la vis. Oh, putain. Oh, le truc nul. Donc, du coup, je pense que tu vas voir que je casse absolument tout ça. Et que, oui, le robinet, il marche pas bien. Ok, d'accord, il est cassé. Le robinet, il est cassé. Alors. D'accord. C'est moi qui fais les bruitages, hein. Ils avaient pas le budget pour ça. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, hop là. On va remplir tout de suite. Je sais pas ce qu'on va mettre comme animaux là-dedans. Mais, bon, il y a encore des légumes et des fruits. Et puis ça, je pense qu'on va tout péter. Attends, je vais tout casser, attends. Je vais tout casser. Hulk smash. Bon bref, il y a un nouveau Captain America avec non, je sais plus comment il s'appelle l'acteur, qui était globalement Hawkeye. Et il va y avoir Harrison Ford quand même, hein, en Hulk rouge, énorme. Énorme. Bon après voilà, bon, c'est toujours un petit peu ils mettent des méchants incroyables dans les MCU, voilà. Préférez qu'il ait un rôle un peu plus, voilà, un peu plus permanent, un peu plus, voilà. J'aime beaucoup Harrison Ford, évidemment. Han Solo, Indiana Jones, tout ça, tout ça. Ah oui, c'est vrai, il faut gratter. Et gratte. Ah, mais c'est pas vrai, ce jeu, qu'est-ce qui se passe? PC, il a chaud. Manque de framerate. Hein. Putain, ça aussi, je crois qu'on va devoir l'améliorer. Pas juste rester en place, non, il faut gratter. Et gratte, on fait semblant de travailler, bien sûr. Ah, mais ça lag, c'est quoi cette histoire? Je crois qu'en plus, j'ai justement eu une mise à jour. Bah, ouais, d'accord, mais tu me dis, hein, si je t'emmerde. D'accord, bah il va, tu vas me péter les couilles là. Oh la vache! D'accord. Ah ouais, bah ça va laguer quoi. Alors je crois que j'ai remis le. J'ai remis le V-Sync. Parce qu'on avait une V-Sync un peu dégueulasse. D'ailleurs, ça continue à être le cas. V-Sync, c'est le quand tu bouges, t'as des artefacts. En fait, et normalement, c'est censé empêcher ça. Donc, je l'ai remis. Et je pense que ça prend pas mal de ressources. Mais quand même, à ce point-là. D'ailleurs, je vais tâcher, peut-être en fin de l'année, de me prendre un petit génération 14 et de changer la carte mère et le pros et de passer sur du DDR5 en 7200 MHz. Oh, j'ai des frissons. 7200 MHz, on est au niveau de la RAM. Vous imaginez un petit peu, là je suis. Je crois que je suis à 3006. J'ai pas fait les. Enfin, c'est parce que, en fait. Comme ma carte mère est un peu ancienne, elle prend le minimum, c'est-à-dire une des RAM qui est à 3006. Mais bon. En fait, elle prend pas la 4000. Bon, bref. De toute façon, je vous parle chinois, là, sans doute. Bon, ben voilà, ça s'est fait, apparemment. On achète un distributeur d'eau. C'est bien, ça aussi, le distributeur d'eau. Bah, par contre, est-ce qu'on a du pognon? Qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? C'est pas trop petit. Et on pourrait mettre des herbivores. Par contre, ouais, les gens peuvent le voir seulement d'ici. Mouais. Oui. Les gens peuvent le voir seulement d'ici. Bah si, ils peuvent quand même faire le. Ah ouais, bah si, voilà. C'est bon là. On peut bien les voir, les animaux. Les animaux.
Ok, donc achète distributeur d'eau c'est bien, je voudrais en mettre un peu partout. Il y avait un chemin par là qui menait tout droit chez moi. On peut laisser ouvert. Oh, j'ai tombé. Alors prends le distributeur d'eau. C'est vrai que normalement j'ai le truc ici et outils. C'est dans outils, distributeur d'aliments, distributeur d'eau. Et ça coûte 1000 balles, on en a gagné 2000. Bon, on y va doucement. Je sais que ça peut paraître un peu redondant. Ah, les éléphants, peut-être, vont utiliser beaucoup d'eau. Ah, on va le remettre dans les rhinos. Parce que je pense que les rhinos rapportent des sous, vraiment. Et puis, bah, ce qu'il y a de bien avec l'eau, c'est qu'apparemment, c'est... Oui. Comment je te... Ah, utilise la clé à molette. Oui. Démonter. Bah oui, bah il faut démonter. Ok, j'ai compris. Bah tu démontes le robinet en place pour mettre le distributeur d'eau, bien sûr. Et puis maintenant... Oui, ça peut continuer. Alors, du coup... Spring. D'accord, tu as terminé le tutoriel, tu as acquis la majorité des compétences et des outils qui te permettent de t'occuper du zoo. Il y a encore plein d'autres attractions et de jeux qui t'attendent dans l'enclos. D'accord, bon, ça c'est super. On a les distributeurs d'eau, il va falloir vraiment en mettre un peu partout. Distributeur de bouffe, bon, qu'est-ce qui se passe alors? Ah, oh, vous avez déjà tout, mais vous êtes des goinfres. Mais qu'est-ce qui se passe? Il marche ce truc? Apparemment il est en haut, il est plein. Oui mais Putain, ça fait des étincelles quand tu manges. Comme l'indique son nom, il devrait être automatique. J'adorerais faire ça en vrai quoi. M'occuper des rhinos et les arroser comme ça. Faire une petite caresse. Normalement ils ont des plaques ici, c'est une véritable armure le truc. Bon, si, je me demande si ça encaisse bien les balles, mais... bon, bref, encaisse bien les balles, je dis ça. D'accord, bon, ça veut, donc, dès qu'il y en a plus, il y en a encore. Ok, et du coup, ça fait globalement 3 paquets. Ok, bon, bah, super. Super, ok, ça c'est bien. Adopte 6 nouvelles espèces. Écoute ce que j'aurais voulu. Ce que j'aurais voulu. C'est vrai que je pourrais... Putain, là... Gigantesque aussi celui-là. Il est véritablement gigantesque. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dedans? Qu'est-ce que c'est de la viande? Oh, un carnivore. On n'a pas de carnivore. On n'a absolument pas de carnivore. Il faut d'ailleurs pouvoir savoir comment tu... Ah oui, il y a les boîtes à dons aussi à mettre en place. Je sais que ça coûte des sous, mais ça peut permettre d'en rapporter. Donc, c'est jamais une perte. Et les boîtes à dons, je pouvais pas en mettre avant. Ça coûte 150 balles les rues. Bon, écoute, est-ce que j'ai du pognon? Budget, j'ai 1600 balles de pognon. Allons-y. On va faire quelques décos. Alors, du coup, ouais, non, ça c'est les. Faut pas nourrir les rhinos. Ça, je pense que c'est là, la boîte à dons. Et du coup, ça fait 450 balles. Bon, en espérant que... Félicitations, tu as placé la première boîte à dons. N'oublie pas d'y revenir régulièrement pour collecter le pognon. D'accord. Bon, de toute façon, je pense qu'avec 1000 balles, je fais pas d'animaux. J'achète pas d'animaux. La dernière fois, j'en avais 15 000. Comment dire? C'est vite parti pour les éléphants. Les autruches. Ouais, mais alors, il n'y a pas de... Ah si, bah c'est pour placer l'animal en question. Yeah, les autruches. Par contre, il n'y a pas une petite boîte à dons dans le... Oh, bah... Oh. Ils ont plus à bouffer, les pauvres. Ils ont plus à bouffer. Comment je descends là-dedans? Moi, je me souviens plus. Elles ont plus à bouffer. Il va falloir des employés aussi. Hein. Pardon, les filles. Enfin, les filles. Bon, bref.
Est-ce que je peux acheter... Non, attends, ouais, mais bon. Non, il n'y a vraiment plus d'eau du tout, quoi. Il faudrait un distributeur d'eau. Moins l'eau. Mais en même temps, plus j'ai d'animaux, plus le zoo rapportera. Plus le zoo rapportera, mieux on pourra s'en occuper. Un petit mélange fruits et légumes. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qu'ils ont mis. Ça va les petites louloutes. Dommage qu'on puisse pas les caresser en même temps. C'est pas fait pour ça. C'est Dan, c'est Xav. Ils sont toujours ensemble. Plus d'informations. Sinon, ça va. Ouais, ils ont soif. Ouais. Toi, tu as faim et tu as soif. Bon. Allons-y, la personne n'a pas le sourire là. La personne n'a pas le sourire. Bon, la boîte à dons, c'est en place. Me dis pas que tu as soif, toi, t'as un distributeur. Vous avez vraiment le dernier cri, vous. Hein. Ensuite, donc, il va falloir prendre. Bon, c'est gigantesque. Hein. On avait dit ça. On va laisser accumuler un peu de pognon, mais. Aller voir de plus près. Ce serait bien que les portes soient automatiques. OMG. Dans quelle mesure. Ah, d'accord. Les barres. Ouais, bah écoute, les deux enclos l'un en face de l'autre. Ce sera très bien. Commander deux barres. Attends, mais normalement, je peux le faire d'ici. Alors, les barres, les outils, les matériaux. Donc apparemment, c'est seulement de 600. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais de toute façon, qu'est-ce que tu vas acheter comme animal? 1800, t'as rien pour 1800. Pour 1800, t'as rien. En plus, moi, j'aurais voulu des carnivores. Adopter un animal. Oui, bah, mon gars, à part les hippos... Ah, il y a des grizzlies. Peut-être un peu trop grand pour les grizzlies. Il y a des dromadaires. Oh, il y a des... Des lions, ouais, il y a des lions et des tigres. Et ça coûte combien? 9000! T'es sérieux? Frais de transport? Oui, bah... Je crois qu'on peut mélanger félin, tigre et lion. Ils font ça, hein. Ils peuvent même se reproduire, et ça fait un animal bizarre. Voilà. Mais, ouais, le grand enclos, là, je mettrais bien... Je mettrais bien des lions. Putain, par contre, ça manque de lions! Où sont les lions, poissons, granulés, viande. Oui, bon, écoute, mais les lions, normalement, autruche. Est-ce que c'est... Oh, lion. Il y a seulement deux mâles. Oh. Non, ça va pas. Cela ne va pas. Ok. Non, relève-toi, calme-toi. Ouais, non, ça va être génial pour les lions ici. Hein. Ah, je veux des lions partout. En plus, ils ont un point d'eau, là. Ils ont un point d'eau et tout. Bon, ça dégage. Alors, là, il y a de l'eau. Donc ça c'est de la viande. Ça c'est de la viande. Distributeur à viande. C'est possible ça, j'espère. J'espère qu'il m'a laissé tous les outils. Ok, donc il y a encore des trucs à détruire, là, des trucs moches à détruire. On va déjà commencer par cette fresque. Elle a du caractère quand même, c'est toujours la même qu'on nous demande de détruire, mais elle a du caractère. Pourquoi elle est là? Bon. Ouais, on sent bien que le développeur a... Tiens, tu vas casser des trucs en bois. Puis là, c'est un vieux mur. Il était là parce que, bah voilà, c'était joli. À l'époque, il y a 1000 ans. Ok. Ok. Ça y est, c'est fini. C'est fini, donne-moi la pelle. Moi. Ah, mais je vois pas bien le... Étonnamment, c'est plus fluide ici.
Nelly. Mais je me sers plus jamais du Karcher. C'est étonnant. Vous savez, dans les rhinos, on avait tout un pan à laver. Plus rien à laver, là. D'ailleurs, comment ils se sont débrouillés? Ils ont fait caca sur les murs. Et en plus, il fait jamais nuit ici. Normal. Tant tellement de questions sans réponse. Bon, je prépare les lions, mais mine de rien, je sais pas si c'est une bonne idée. Parce que 9000 balles, on les fait pas comme ça. 9000 balles, ne serait-ce que pour en avoir deux, la vache. Bon, j'ai passé voir la boîte à dons. Va aller en step. Par 6 enclos. Ouais, ce serait bien quand même de faire un petit prêt à la banque. Hein. Non, je me demande s'il y a un truc de financement. Allez, ça roule. On travaille bien là. Hein. Ah oui, on travaille bien. Ok. Encore celui-là, normalement, il devrait disparaître. Voilà, ça dégage. Sinon, il n'y a rien d'autre. Par contre, les gens vont pouvoir avoir une belle vue quand même dessus. C'est pour faire le tour par là. Ils ont vraiment tout prévu. Peut-être des animaux plus petits, peut-être un truc. Parce que j'ai un enclos encore qu'on a refait tout à l'heure. Il y a celui-là, juste en face, qui est pas mal. Il faut réparer ce truc-là, on va s'en charger plus tard. Ouais, ferme là, ferme. On sait jamais des fois qu'il y a un boulet qui fait n'importe quoi. Bon, la boîte à dons. Mais me dis pas que je peux mettre seulement une seule boîte à dons. Bon, là par exemple, c'est un panneau. C'est un panneau. Oh, il y a du pognon. Il y en a beaucoup. Je me suis à peine approché. C'est fou. Bon, qu'est-ce que tu as comme pognon? 5000 balles. Bon, ça monte doucement, mais sûrement. Néanmoins, c'est pas non plus... C'est pas non plus une franche réussite. On les voit bien les... Oh putain, d'accord, il y a un truc à réparer, ça c'est étonnant. Madame. Oui, vous voulez mettre du pognon? Regardez, la boîte, elle est juste là, en fait. Ah, il a le sourire, ça fait plaisir. Est-ce que je devrais pas mettre quelque chose qui rapporte du pognon, genre truc à café? Oh mais il va me falloir un vendeur. Ça va toi? Ça c'est mon vendeur, ça. Stand à hot dog. Il est petit, parce qu'en fait ça c'est la vraie taille des gens, et moi je suis gigantesque. Moi je me cogne la tête contre le truc. Bon, j'ai 5000 balles. Est-ce que... Ça fait 3000. Est-ce qu'on fait un truc à café? Il va falloir encore rembaucher un vendeur. Est-ce que c'est une bonne idée? Oh, écoute, disons que... Ah, il me faut un truc qui rapporte quand même. Hein. Des animaux, c'est bien, mais est-ce qu'on a des animaux pour si peu? Ah. Allons déjà réparer. Ah oui, c'est vrai que je peux faire ça comme ça. La carte. Et puis, je peux aller ici. Et là, je suis en face de... Oui. Ah oh putain, 600 balles. 600 balles. Je sais pas ce qui est cassé là-bas, mais il y a un truc de cassé. Oui, parce que tu vois, il t'en faut deux. Super. Faut aller les chercher. Alors, je me demande si tu laisses casser comme ça, est-ce qu'ils arrivent à s'enfuir? Non, pas du tout, parce que c'est pas le bon, c'est 1. D'ailleurs, c'est 1.
Ah tiens, c'est étonnant, j'en ai encore deux. Bon, qu'est-ce qui est cassé, la clé à molette? Bah alors, comment tu veux que je répare ça? Ah, tu as besoin d'une clé. Qu'est-ce que j'ai dans la main? Alors, répare, tu as besoin d'une clé. Oui. Ça, c'est étonnant, tu vois, ça c'est... Améliore la clé pour cette action, d'accord. Oh bah bravo. Oh putain de vache. Donc du coup, attends, on peut faire ça comme ça. Ça c'est la baraque. Voyage au bureau. Mais non, mais j'ai pas besoin, je crois que je peux améliorer la clé d'ici, non? Non, pas sûr. Attends, si. Les outils. Accueil, bâtiment. Autre. Pas du tout. Parce qu'il y a les outils qui sont là. Ensuite, clé niveau 1. 1000. Voilà, tu t'essayes. T'essayes d'améliorer le. D'améliorer. T'essayes d'avoir des animaux. Bah, c'est pas facile. Bah, c'est pas facile. Le pognon, il sort très vite quand même. Hein. J'ai l'impression d'être dans un vrai zoo, le truc. Bon, maintenant ça a marché. Ah, qu'est-ce que tu fais? D'accord, il resserre le schmilblick. Ok, ça y est, ça marche. C'est bon, vous êtes content? Je vais mettre les granulés encore. Au moins la bouffe, quoi, voilà. C'est qu'on n'a pas de, on n'a pas trop de moyens. J'ai tout mis dedans. J'ai tout mis. Il n'y a plus de granulés. Heureusement, j'ai pas d'autres animaux qui mangent des granulés. C'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Là, on est dans le dur du jeu. Malheureusement, le pognon il part très vite. On va juste aller voir un petit peu comment vont. Ouais, non, je pense que ça va. C'est les éléphants. S'ils ont faim, s'ils ont soif, s'il y a de l'eau chez les éléphants. Quand même, c'est banger hein, les éléphants. On a vu les éléphants. Il faudrait que ça rapporte du pognon. Ouah, ça va pas du tout. Il a très soif. Très soif, apparemment. Ouais, il va vite falloir racheter un truc. Ça fait 600 balles, il me semble. Hein. Ça va pas du tout. Ça va malheureusement pas du tout. Il faut vraiment faire le tour régulièrement. Eh bah, dis donc. Excuse-moi, Antoine. J'aurais dû faire Antoine et Daniel. Il y a presque plus de bouffe, putain. Alors, tu as négligé Zerator de cachette dans la jungle. Il a été retiré. Quoi? Ils m'ont enlevé Zerator? Tu as négligé... Mais putain, mais... Oh non, mais c'est horrible. Ils m'ont enlevé Zerator. Mais il m'a coûté une fortune. Ils m'ont enlevé Zerator. Mais c'est horrible! Est-ce qu'on peut charger? Ah merde! Bah oui, bah c'est mon auto-save! Ouais! Quelle heure il est? Ah, je sais plus. 45, 43, c'est-à-dire il y a 2 minutes. On va voir si on peut cheater un petit peu. On va voir si on peut cheater un petit peu. Non, mais on m'enlève pas Zerator comme ça, enfin! En fait, c'est à peine je passe le... Pardon, Zerator! Oh, putain! Oh, vraiment, ça fait de la peine! Il a été retiré, c'est honteux! Il faut vraiment les nourrir toutes les deux minutes. Oh là là, putain, mais comme des Sims, ça... Bon bah écoutez, on va éviter que ça se reproduise, bien sûr. On a compris la leçon, on va éviter que ça se reproduise. Donc distributeur de nourriture, distributeur d'eau tout de suite. D'ailleurs. Ouais, ça fait 1000 à chaque fois.
puis la bouffe, quoi. Les granulés, il n'y en a plus. Ça fait 600 tout de suite. Fruits et légumes. Hein. Heureusement que j'ai pas commandé de poisson. Pour l'instant, tu vois, les fruits coûtent plus cher que la viande. Ouais, non, ouais, que les légumes. Bon, au moins, on a de quoi les nourrir. C'est déjà ça. Mais ouais, c'était pas cool. C'était pas cool. Du coup, où est la bouffe? Ça, c'est la bouffe. Bon, je vais déjà mettre le truc à bouffe en place. Ouais, bah c'est pas hyper évident de gérer. Bon sang, j'aimerais bien quand même avoir un bel animal. Justement, ils m'ont enlevé Zerator. Rendez-moi Zerator. Et voilà. Ça déborde de fruits. Il y en a plus. Je sais pas, ce que j'ai foutu, mais j'ai dû prendre que les granulés, je sais pas. Pas du tout. Bon. Ah oui, non, c'est vrai qu'il faut aller chercher encore. Putain, mais quel enfer, ils m'ont enlevé Zerator. Putain, ça fait de la peine. Vraiment, ça fait de la peine. Moi qui aime les animaux. Ah oui, c'est vrai, les fruits et légumes. Ils sont là. Et du coup, les granulés, bah je sais plus. Qu'est-ce que vous avez foutu des granulés? Ah, dans le, y a un inventaire. Il y a un inventaire, donc j'ai un... Ah, mais j'ai un robinet déjà. J'aurais pu peut-être éviter de... Ah non. Le robinet, c'est moi qui ai... oui, l'autre qu'on avait changé. J'avais démonté l'ancien. Ok, allons-y. Donc du coup, il me faut la clé à molette, s'il te plaise. On démonte. Putain, mais c'est dommage, il fait jamais nuit. En même temps, tu me diras s'il fait jamais nuit. Tata, il est là. C'est tout? Bah, OMG. Oui. Il me semblait que j'avais quelque chose à... Pas du tout. Bon, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, t'es pas content, il y a ton copain qui est parti. Moi aussi. Je suis terriblement... Moi aussi, ça me fait beaucoup de peine. C'est honteux. C'est honteux. J'aime mes animaux d'amour. Bon, est-ce qu'on peut racheter un éléphant? Oh putain, c'était pas dans le contrat, ça. Ça, c'était pas dans le contrat. Niveau pognon, là, c'est pas terrible. Ok, bon, bah, un éléphant, ça, c'est un lion. Vous savez qu'un éléphant, ça trompe énormément. Oh, est-ce qu'il y a des éléphants d'Asie, en plus? Je crois qu'Antoine, c'est un mâle. On va essayer de prendre une femelle. Oh, bah, il y a une femelle qui est très jeune. 6000, putain, 1000, oh, la vache. On n'avait pas assez d'argent, hein. Bah, bien sûr, j'ai pas assez de pognon. Bon, et bah c'est un peu la merde financièrement parlant. Autant vous le dire, là on est vraiment dans un zoo qui est très très réaliste. Je vais aller voir si la boîte à pognon. Pourtant j'ai pas fait de folie. Hein. Enfin, ça dit, j'ai quand même mis pas mal de choses dans les enclos pour que les animaux soient heureux. Donc ça fait quand même 1000 balles. C'est pas mal. Monsieur, il n'y a pas de carte. De carte? Il nous faudrait une carte. Par exemple, ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Une boîte à dons. Je crois que si je les multiplie, les boîtes à dons... Je sais pas. Peut-être. Bon, écoute, allez. On sait jamais, dans le doute. Et ça, c'est moche. C'est extrêmement moche. Ah, c'est la carte. 700 balles pour la carte. Allez. Putain, mais oui, mais... Il y a besoin de plein de choses. Oh, une sculpture de rhino. Coûte cher, la sculpture. Ouais, elle coûte cher. Elle coûte cher. Madame, bonjour. Vous voulez faire un petit don?
Oh, les bancs. Waouh, un banc en forme de rhinocéros, c'est trop bien. Et puis là, une poubelle. Et oh, une poubelle en forme de lion. Oh, même celles-ci, elles font très enfantin, c'est sympa. Bon, il va falloir du pognon. Il va falloir globalement du pognon. Revenons au jeu, bien sûr. Mais il va falloir du pognon. Non, tu bosses un petit peu, toi, le mini-moi ? Bosse un petit peu, là, l'Oompa Loompa ? Ça vend des hot dogs ou pas ? J'ai pas l'impression que ça rentre beaucoup, hein, au niveau pognon. Alors, du coup, 3000 pour ça, j'ai un budget, j'ai plus que 2000. Qu'est-ce qui se passe, madame ? Ça sert à rien un café, oui, bah oui. Oui, je comprends le message, madame. Je comprends parfaitement le message. Oh putain, le truc il s'est pété la gueule. J'y crois pas, putain, mais c'est en fait... En fait, le jeu... Tout va tomber en panne. Tout va coûter du pognon. C'est un vrai zoo, le truc. Quel enfer. Non, bah bravo. Et ce serait bien de choisir ce que j'ai envie d'afficher sur les panneaux à l'extérieur. Bon, là, voilà, quoi. Voilà, ça, c'est fait. Donc, il me faut 5000 balles pour un éléphant. Il me faut 10 000, 12 000 pour un lion. Et ça, c'est la boîte à dons. 400. Eh, écoute, on n'en a jamais trop, des boîtes à dons, là. Je me demande d'ailleurs si ces deux boîtes à dons peuvent être remplies. Ah, c'est trop bien, ça. 400, une arche. Chemin savane. Australie sauvage. Chemin de l'Asie sauvage. Putain, j'ai très envie de le prendre, de le mettre en place. Mais on pourrait un peu économiser quand même. Parce que why not ? Le café, donc il faut plein de choses. Bon, bouge pas. Est-ce que par le plus grand des hasards du monde entier, niveau finance, on va faire un prêt ? Ça va dans le soleil, nécessite une rénovation. Attends, la savane ensoleillée. Pas déjà, oui, d'accord, c'est cassé, c'est recassé. D'accord, ils boivent tellement que c'est recassé. Bon, c'est bien au moins qu'ils te le disent, le truc. Faut vérifier l'état des animaux. C'est terrible vraiment parce que... Ils vont me les retirer si ça continue. Ils vont me les retirer si ça continue, donc... Ouais, distributeur d'eau, hein, ici, hein, pareil, hein, distributeur de nourriture aussi. J'ai compris la leçon, j'ai pas envie qu'on me retire mes animaux, bougez pas. Bon, on va avoir seulement 3 animaux pour l'instant. Mais au moins ils vont bien. Peut-être plus de un rhinocéros de plus. Je sais pas si ça rapporterait plus. Ok, oui, j'arrive. Vous pourriez faire un effort et ne plus me le péter le truc ou pas ? C'est déjà la deuxième fois quand même, hein. Tu as besoin d'une clé. Oui, ben, voilà la clé. Hein, ça vous emmerderait d'arrêter de me péter le truc, là. Oh. Attends, parce que il y a le karcher. Mais il y a le lance-flamme aussi. Non, je déconne. Truc horrible. Pousse-toi, la quille. Non, alors... Donc là, j'ai 6 granulés. 8... Voilà. Bon, vous êtes full, hein. En bouffe, normalement, ça devrait aller, hein. Il aime bien les flottes, hein. Petit cul. Bon, bah, écoutez, pareil, un distributeur d'eau et distributeur de nourriture pour nos amis. Pour nos amis. Attends, hop, la 1000, ça fait 1000, hein, j'ai 2000.
Tant pis, tant pis, tant pis. Non, parce que je pense que si on me prend des animaux, ce sera bien pire que si... si je dépense pas de 1000 balles tout de suite. Là, l'éléphant, c'était 5000 tout de suite. Pour le racheter, c'est pas génial. Normalement, c'est bon, c'est automatique, hein, la flotte. Pour le racheter, et puis je pensais mettre plus de truches. Oui, il est où ce truc? Mets-le à la place du marteau. Je me souviens plus du tout à quoi sert le marteau. Ah oui, c'est vrai, déjà on débranche. On débranche, on met adopter 6 différentes espèces. Eh ben on n'y est pas. On n'y est pas, excusez-moi. On gère. Déjà voilà, ça fait partie de la gestion du. C'est pas du tout ça en fait. C'est pas du tout ça, ça c'est la bouffe. La bouffe qui est ici. Et ça. Ah, j'arrive, hein, j'aurais dû prendre les deux tout de suite. J'arrive, on est juste à côté. J'aurais dû prendre les deux tout de suite. On est arrivé. Parce que là, imagine, je remets le robinet. Et bah tu perds du temps. Qu'est-ce que tu cours? De toute façon, il faut courir. Je sais que c'est pas bien de gâcher l'eau. Tout ça. Ok, bon bah voilà. Devrait aller. Vous me le cassez pas. Allez, fille. Non mais qu'est-ce que tu me fais? Remplis-le. C'est des légumes, hein. C'est bon, ça rend aimable. Bon, déjà, le bien-être des animaux, normalement, est plus ou moins assuré. Plus ou moins. On n'est jamais à l'abri d'une panne, ce genre de choses. Maintenant, normalement, il devrait me le dire. En fait, il faudrait que ça s'allume sur le côté. Genre, vous avez une panne? Faites quelque chose. Bon, là, il y a de l'eau, distributeur, bouffe et où on a de la marge. Et Xavier a sommeil. Mince alors. Oh bah ça va mieux la fin. Ok. Compte sommeil. Est-ce que vous avez de quoi dormir? Parce qu'il me semble que... Attends, merde. Il faut lire. Quand tu dis sommeil... Des fois j'ai peur, hein. Des fois j'ai peur de pas faire les bonnes choses. Autruche. Les autruches d'Autriche, y'a... Légumes, taille, ouais, non, c'est bon, hein. Groupe de mâles, 2. Groupe de femelles, 5. Donc on pourrait en adopter d'autres, hein. Si déjà toute l'infrastructure est mise en place, vous, ça va, vous? Vous avez tendance à faire de la merde, hein. Tendance à tout casser. Mais voir s'il y a du pognon. Attends, on est déjà à 55 minutes. J'aurais peut-être dû, chers amis... Ah, on va faire ça, en fait. Je vais jouer un petit peu, essayer de gagner du pognon. D'accord. Et du coup, on a gagné combien? Là, 2000, on est à 1000 des poussières. Ça monte doucement. Parce que j'en ai mis 3 autres. Ouais, non, mais c'est ça, les boîtes à dons, c'est banger, en fait. Si à chaque fois, t'as 1000 ou 2000 et que ça se remplit progressivement, je vais en mettre partout, hein. Donc, 1000 balles, ouais, 1000 pareil. Ils ont toutes donné 1000 balles. C'est génial! C'est absolument génial! Oh putain, de nouveau. J'aurais demandé une chose. Me pétez pas le truc! Bon, en même temps, c'est un éléphant. Ça trompe énormément. Voilà, ça c'est bien, hein. Heureusement que je suis là, après ils vont avoir soif, on va me le prendre. Bon, ça c'est bon. Qu'est-ce qui se passe, Daniel? Antoine, pardon, Daniel. Oui, c'est vrai, bah, du coup, ils m'ont pris Zerator. C'est un bon Zerator. C'est un bon, Antoine. Bon. Normalement, on devrait avoir un peu de pognon quand même. On va peut-être reprendre un éléphant. Oh là là, je suis désolé, j'ai pas. Bon, j'ai géré le pognon comme j'ai pu. Tu me diras. Et puis, bah, il y a eu. Tu vois qu'il y a des trucs qui cassent.
il y a des trucs qui manquent. Et puis il faut vite, vite faire en sorte que les animaux, ils ont toute la bouffe qu'ils veulent parce que ça descend très très vite en fait. Vraiment des Pokémon les trucs. Des Pokémon, des Sims, pardon, c'est pire, c'est bien pire. Et donc j'aimerais bien prendre un éléphant. Donc ça fait 6000 au moins, ouais, ça fait 6005. T'as pas un éléphant à pas cher là, un vieux, un malade à moitié crevé, non? Non, hein, non, pas du tout, bon bah pas du tout. Allez, je vais jouer un petit peu. Je vais jouer un petit peu histoire de faire monter le pognon. Je vous dis à tout à l'heure. Oh, chers amis. Je viens de découvrir. Oh, super, je suis passé à côté de la boîte à dons, 500 balles. Je viens de découvrir que si tu arrosais les gens, ils étaient contents. Voilà, je... Bon, bref, on a un petit peu de pognon, on peut reprendre un éléphant, mais il va falloir vraiment attendre un petit peu avant de pouvoir avoir d'autres animaux. Les félins coûtent extrêmement cher. Voilà, comment ça fait? Ouais. Elle est mise à se faire arroser. Ça fait rire, voilà. Je suis désolé, ça fait rire que moi. Voilà, ça fait rire que moi. Allez, je pense qu'on a le... Oui, non, mais ça va, calme-toi. On a du pognon budget. 7000 balles. Donc là, j'ai un éléphant mâle et un autre éléphant mâle. Non, mais putain, il n'y avait plus de femelles maintenant. Oh, vous pétez les couilles. Oh, c'est pas vrai. Tu as reçu de nouveaux avis. Oui, bah ça, on peut toujours aller voir les avis, mais bon... Après, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, hein. Le bosquet, mais il n'y a pas d'animaux dedans. Ça dit, il est prêt, ce truc, hein. Il est prêt, le bosquet, hein. Le bosquet, il est prêt. Bon, ça va très bien. 3 étoiles, normalement, c'est très, très bien. Ils exagèrent. L'aspect des gens aide à nettoyer sous pression. Ah, il y a peut-être un truc à nettoyer dans les rhinos. D'accord. Il faudra aller voir. Terrier de la forêt. Il y a trop peu d'animaux. Bah oui, mais en fait, il me manque un éléphant. Il me manque un éléphant, terrier de la forêt. Je crois que c'est ça. Hein. Ah non, c'est caché de la jungle. Journée fantastique. Aux zoo. Mais il y a un robinet qui fuit. OMG! Il nous faudrait des autruches et un éléphant. Des autruches et un éléphant. Ouais, d'accord, il n'y avait plus qu'un seul éléphant mâle. Alors, des autruches, si on prenait des autruches. Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors. La carte. Et on regarde. Et donc là, tu vois, il y a un truc. Hein, voilà, bien sûr. Moi, il a déjà cassé le robinet! Elle dort. Énorme. Incroyable. Truc, elle dort. Tu as besoin d'une clé. C'est quoi ce que j'ai dans la main? Ok. Bon. Ça va, t'as bien dormi? T'as bien dormi, Xav? Ok, super. Alors, je crois que... Je laisse un petit peu le pognon monter. Voilà, je laisse un petit peu le pognon monter. Quand même, il va nous falloir un éléphant et plus d'autruches. Cela dit... Alors vous, il paraît qu'il y a des trucs qui sont sales, non? On va me dire qu'il n'y a plus de bouffe, c'est pas possible. C'est vous qui faites ces bruits-là? Énorme. Bon, je sais pas, apparemment ça va. Hein. Apparemment ça va. Qu'est-ce qu'elle raconte, la dame? Enfin, elle a perdu la tête, la dame! Ah, j'adore, on dirait le pistolet de SOS Fantôme, là, les... Faut pas croiser les fluides. Ok, bon bah écoute, on a fait ce qu'il fallait faire. Je pense que c'est pas trop mal. On va se... Attends, mais j'aimerais bien mettre une femelle, quoi.
J'aimerais bien être une femelle. OMG. Les animaux, les éléphants. Mais putain, mais il n'y a plus du tout. Il n'y a que ce mâle de 15 ans. Non, mais comment ils vont me faire des petits éléphants tôt, hein? Comment? Puis on pourrait mettre des autruches en plus. Il n'y a qu'une seule autruche. Oh, putain, il n'y a qu'une seule autruche, 1000 balles. Bon, écoute, on va la prendre, l'autruche. Et ah oui, ça, celle-là, elle est prête. Et il y a cet enclos-là qui est prêt aussi. Donc oui, en fait, une dernière autruche, on peut mettre là-dedans. Une dernière autruche. D'ailleurs, comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler... Ah merde, elle est où? Bah alors? Une petite minute... C'est bien là? Non, ça c'est les éléphants, c'est les éléphants! Je me suis trompé. Éléphant trompé, bien sûr. Et la voilà. Mince, alors comment est-ce qu'on l'appelle? Alors, il a tellement d'amis aussi, Dan. Mais... On va l'appeler la Fiel. Voilà. Dan, ta Fiel, des tags... C'est parfait. C'est nul, mais c'est... Pardon. Voilà, pardon. Elles ont l'air heureuses. Voilà, il y a de la bouffe. Quand ça suit, normalement, ça se remplit. Il y a de l'eau. Il y a des trucs comme ça. Tu sais pas trop à quoi ça sert. Mais c'est là. Bon, bah voilà, elles sont bien, là. Un éléphant, je voudrais une femelle. Oh là là. Est-ce que si je faisais une déco reco, ça irait mieux? Puis en plus, au niveau de la carte, les éléphants qui sont ici... donc j'en ai qu'un, mais nourriture, ouais, mais ça c'est bon, l'eau et la nourriture, l'important c'est que ça marche. Ok, enfin, regardez-moi ces deux belles femelles, 37 ans, oh le bel âge, 28 ans, et là 37 ans aussi. Écoute, allons-y, est-ce qu'on va prendre la petite jeune là? Il me semble que c'est bien un mâle, hein. Écoute, on la prend. Ça fait un petit moment... Attends, l'éléphant. Donc je peux en avoir 4 quand même, hein. Ouais, ça on va éviter. Donc je peux en avoir 4. On a gagné du pognon. Voilà, on a gagné du pognon. Les boîtes rapportent bien quand même. 1000 par-ci, 1000 par-là, c'est très très bien. Je me demande si je devrais pas prendre 2 éléphants tout de suite. Après, j'ai... Bon, de toute façon, 7000, je fais pas grand-chose avec. Mais au moins, on aura eu 2 éléphants... Et ça fera 3, et c'est très bien. Ah non, attends, déjà, bah oui, parce qu'il faut pas les emmener juste comme ça, il faut y aller directement. Attends, par contre, ça risque de faire du dégât, ces petits salopios. Ok, donc en fait, je voulais faire... Alors, t'as Antoine et Daniel... Oui, c'est bon. On ferme, s'il vous plaise. Et de deux, il y a un truc très important qu'il va falloir faire aussi. C'est embaucher quelqu'un. Un autre éléphant. Allez, une autre éléphante, d'ailleurs, que je vais renommer Serrata. Et blablabla, bah parfait, ça, c'est bien. Alors, cette femelle éléphant âgée était à la tête d'un troupeau. Bon, bah, particulièrement... Mais je devais... Bon, bah, elle est joyeuse. Un élevage privé. Oh, ça c'est terrible ça, les élevages privés. Coûte un poil moins cher. Légumes, fruits, granulés. Allons-y. Ça nous fera 3 éléphants. Alors je sais qu'on n'a pas eu de nouveaux animaux. Je suis désolé, chers amis. Mais on a fait quelque chose de très très important. On a géré. On a fait en sorte qu'il n'ait plus de besoins insatisfaits, normalement. Et on va faire la chose suivante. Allez, c'est là. Hop là. On va faire en sorte que... Bon bah voilà. Eh mais je suis un peu con parce que je devrais plutôt... Ouais. Bah globalement, j'ai mis tous les gens que j'aime beaucoup sur Twitch et sur YouTube. Après, je pense que je vais nommer mes futurs animaux selon les abonnés de la chaîne. Et ça, ça serait cool.
En fait, oui, ce sera plutôt cool, ouais. Et voilà. Ils sont contents. Bon, bah, écoute, ça, c'est fait maintenant. Très, très important. On va... je sais pas si c'est possible. J'espère que c'est possible, d'ailleurs. Parce qu'il y a des casses. Il y a régulièrement des casses. Il nous faut un type de l'entretien. Il nous faut un type qui entretient les trucs, voilà. Moi, je peux le faire. Mais l'idéal, ce serait un entretien. Enfin, on va voir un petit peu ce qu'on peut embaucher. Très, très important. On a un petit peu de pognon. On a 2000 balles de budget. Il y a le jardinier. Spécialiste en marketing. Pour gagner du pognon, c'est pas mal. Après, vendeur de... J'ai pas du tout un... Oh là là, c'est terrible, ça. J'ai pas du tout un type qui fait le... D'accord. Possibilité d'échanger les plantes dans l'enclos. Comment ça? Enfin, il fait 1500 balles. Oh, bon, bah, c'est pas terrible. Il y a peut-être d'accord. Bon, bah, c'est pas possible, hein, mince. Il m'aurait fallu quelqu'un qui fasse le... En plus, j'en ai qu'un seul. Formation, je pourrais former. 2000 balles de formation. Oh. Bon, bah, je vais mettre en place ce que les gens, ils attendaient, parce qu'il me reste encore 2000 et des poussières. Mais du coup, je vais pas avoir 1000. Enfin, il suffira de passer devant la boîte à pognon. Regardez. Schling, 500 balles. Schling, 700 balles. Schling, 700 balles. Et eux, ils cherchent en plus un endroit où mettre du pognon. Bah, c'est parfait. Bonjour, monsieur. Il a l'air un peu vénère, mais il met du pognon, alors. Et Schling, 800 balles. Bon, bah, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ok. Bon, bah, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il y a tout à refaire dans ce zoo, absolument tout. Là, pour l'instant, on va faire en sorte d'avoir le café qui fait, on a 5000 balles. J'espère que ça va rapporter. Et puis là, on pourrait faire le... Non, ça me plairait bien, en fait. Ça coûte cher, 1500 balles. Allez, ça me déplairait pas, que les gens puissent s'asseoir, quoi. D'accord, alors, est-ce qu'ils me font un vendeur en plus là-dedans? Du coup, on a encore 1000 balles. Ouais, non, mais 1000 balles, ça va pas malheureusement. La boutique souvenir, c'est 2000 et de trucs à coca. C'est 2005 aussi. Mais bon, j'espère que ça rapportera un petit peu de pognon. Bon, bah super. Écoutez, voilà, doucement mais sûrement, ça avance. Les éléphants m'ont donné du souci. Vraiment, on m'a pris Zerator le premier. Ça m'a fait peur. Ah, et voilà, quoi, mais doucement, mais sûrement, ça avance. Voilà, ce sont des choses qui avancent. On commence à avoir du pognon. Je vais mettre des boîtes à pognon absolument partout. Et est-ce que j'ai besoin d'embaucher quelqu'un d'autre? Réputation du zoo. De toute façon, j'ai pas le pognon, mais apparemment, faut pas embaucher d'autres vendeurs. Donc, un vendeur à saucisses, un vendeur à... Ah, un vendeur de café, ça c'est pas possible, hein. Je sais pas, faut croire que non. J'espère que ça se vend tout seul. Aucune idée. Aucune idée. Mais voilà, on va se laisser là, chers amis. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cet épisode. On en fera d'autres. Moi, ça me détend, ça me fait beaucoup de bien. Et, ah, mais c'est une rénovation. Terrier de la forêt. C'est quoi ça? C'est les autruches. Elles ont déjà foutu le bordel, les autruches. On va se laisser là, oui, c'est ça, ils ont déjà foutu le bordel. Il faudrait un type qui fasse l'entretien. Voilà. Bon, bref, je m'occupe du reste. Hein. Je m'occupe de chouchouter nos amis, les animaux. Et je m'occupe de leur bien-être, bien sûr. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cet épisode. Gros pouce bleu, gros abonnement, bien sûr. Gros bisous. Et puis, oh, tiens, j'ai Bully. Et puis à demain pour de nouvelles aventures. Ah, regarde, j'adore. Trop bien. Trop bien. Bon, il n'y en a pas une qui aime la flotte? Non. Non. Toi non plus, hein. Et ben voilà. Allez, tchou tchou, bye bye. À la prochaine.